Un canal, un pont, un palais à perron et à colonnes, au fond, une maison à redans et pignons de style flamand. Un carrosse à rideaux rouges s'approche à vive allure. Debout sur un perron bordé de colonnes et de pilastres, deux personnages. À droite, un garçonnet blond, de profil. Veste rouge à col blanc plat, manche à crevés bordée de petits boutons ronds et dorés, il tient à la main un grand chapeau de feutre fauve. Au centre, une jeune femme, robe de satin noir, manche bouffante de satin blanc, avec galons dorés et perles de vermeil, serrées au coude par un ruban mauve. À la taille, le même ruban noué en ceinture. Au poignet, manchette souple bordée de dentelle. Décolleté carré sur une poitrine maintenue très haut par un busque couvert de satin noir. Collerette de mousseline bordée au point de Flandre à motifs floraux. Une torsade d'or mêlée de perles sur la poitrine. Au centre, un joyau à lignes diamants et rubis. Autour du cou, un rang de perles rondes. Les lèvres et les joues de la jeune femme sont fardées. Ses cheveux blonds roux sont crêpés à la moutonne. Sur le sommet de la tête, une coiffe noire en calotte prolongée d'une hampe et d'une houppe. Cette coiffe retient un grand voile de gaze noir plissé qui tombe en plis cascadant. La jeune femme porte une alliance à l'annulaire. Le tableau, qui mesure 1,95 m sur 1,32 m, est de la main de Rubens. Il représente grandeur nature sa seconde femme, Hélène Fourmand, suivie sans doute de son fils Franz, né en 1633. Celui-ci semble âgé de 6 ou 7 ans. Le portrait pourrait donc dater de 1639 environ, un an avant la mort du peintre. Il est aujourd'hui au musée du Louvre. 9 ans plus tôt, Rubens et Hélène au jardin. Et ils sont suivis par Nicolas, deuxième enfant d'un premier mariage. Hélène, un peu plus âgée, assise sur une terrasse. Hélène encore. Elle est en tenue de ville, conquérante et fière. Hélène a une fille, Claire Jeanne, puis l'année suivante un fils, Franz. Portrait de la jeune mère, à peine 22 ans, avec ce premier fils seulement vêtu d'un toquet fantaisie. Hélène a les yeux baissés vers Franz. Claire Jeanne s'approche. Dans un tablier, elle porte sans doute du grain. Un oiseau vole vers elle, peut-être tenu au bout d'un fil par Franz.
les mains d'un autre enfant étaient esquissées à droite, celles d'Isabelle Hélène, troisième enfant du couple. Un dessin se rattache sans doute à ce tableau inachevé, que Rubens avait peut-être l'intention d'agrandir vers la droite. Hélène au jardin avec Rubens. Elle tient en lisière leur quatrième enfant, Pierre-Paul. Le petit porte une robe, un tablier bleu, et sur la tête, béguin et bourrelet. Encore une fois, Hélène. Sa main gauche serre sur son ventre une fine chemise blanche et une fourrure aux manches brodées de fil d'or. Sa main droite retient sur son épaule cette lourde pelisse prête à glisser. Dans ce geste de pudeur, son avant-bras écrase un peu ses seins opulents, les faisant gonfler et les exposant d'autant plus au regard du peintre amoureux. Rubens a acquis une solide culture classique. Formé par plusieurs maîtres de la région d'Anvers, il est inscrit comme peintre à 21 ans à la guilde de Saint-Luc. Son Adam et Ève est marqué par Raphaël et Dürer. En 1600, il part pour l'Italie, visite Venise où il découvre Titien, Véronèse, Tintoret. Il entre au service des Gonzague à Mantoue, il séjourne à Gênes et à Rome, il se passionne pour la statuaire antique. Copie Michel-Ange ou Léonard. Il est curieux de tout et parle toutes les langues courantes d'Europe. Rentré à Anvers en 1608, Rubens est nommé peintre des archiducs des Flandres, Albert et Isabelle, mis en place par le roi d'Espagne au terme de 40 ans de guerre avec la Hollande. Anvers a commandé jadis les marchés européens. Ruinée par la guerre, la ville renaît pour un temps. Rubens est très lié à sa ville. Il épouse Isabelle, la fille de Jan Brandt, secrétaire communal d'Anvers. Autoportrait avec sa femme. Isabelle a 16 ans, Pierre-Paul 32 ans. Elle lui donnera trois enfants. Clara Serena, qui mourra à l'âge de 12 ans. Nicolas, puis Albert. Les églises dévastées par les luttes religieuses, la ville, les corporations, tous passent commande à Rubens. Le peintre d'une immense fécondité se spécialise dans des compositions vastes, mouvementées et d'un chromatisme éclatant. Et sa renommée est européenne. À la demande de Marie de Médicis, il peint pour le Palais du Luxembourg à Paris un cycle de 24 toiles géantes célébrant sur un mode héroïque la gloire de la reine. En 1626, Isabelle meurt. Le chagrin du peintre est immense. Il accepte des archiducs plusieurs missions diplomatiques. Il s'agit d'organiser la paix entre l'Espagne et l'Angleterre et de reprendre les négociations entre les Pays-Bas réformés et l'Espagne catholique. Depuis toujours, le peintre est obsédé par la paix et par l'unité européenne. À plusieurs reprises dans sa peinture, il fustigera les horreurs de la guerre. Il est anobli par le roi d'Espagne et par celui d'Angleterre. Suzanne Fourmand, belle-sœur d'Isabelle Brandt, fut longtemps considérée comme la plus belle femme du pays. Rubens fit d'elle plusieurs portraits. Elle avait une petite sœur, Hélène, dont le peintre avait emprunté le visage pour son éducation de la Vierge. Rubens est de retour d'Angleterre au printemps 1630. Hélène est devenue une superbe jeune fille. Elle a le type blond flamand que le peintre a si souvent glorifié auparavant. Il l'épouse en décembre. Il a 53 ans, elle n'en a pas 17. Un ami du peintre fait un éloge en latin où il compare la jeune épousée à l'Hélène grecque et le peintre à ses illustres prédécesseurs, Zeuxis, Praxitèle, Titien. Rubens, usé et malade, retrouve une nouvelle jeunesse à son contact.
J'ai pris une jeune femme de parents honnêtes mais bourgeois, bien que tout le monde cherchât à me persuader de m'allier à une dame de la cour. Mais craignant de me heurter à l'orgueil, se vice inhérent à la noblesse, surtout parmi les femmes, j'en ai choisi une qui ne rougit point en me voyant prendre les pinceaux en main. Et pour dire le vrai, il m'eût paru dur de perdre le précieux trésor de la liberté en échange des caresses d'une vieille. Hélène ne partage que 10 années avec Pierre-Paul, mais lui donne 5 enfants. Le 5e naîtra après la mort du peintre. À la tête d'une énorme fortune, Rubens couvre Hélène de perles et de diamants. À la mort de son mari, elle lui fait édifier une chapelle dans l'église Saint-Jacques d'Anvers. Au-dessus de l'autel, la Madone entourée par des saints, où certains croient retrouver ses deux femmes, Isabelle en Vierge Marie et Hélène en Marie-Madeleine. 5 ans plus tard, Hélène se remariera avec un noble. Elle survivra 33 ans à Rubens. D'une suite de maisons, Rubens a fait un palais à l'italienne. Des façades ornées de niches, de statues, de peintures en trompe-l'œil. Des enfilades de salons et de chambres tapissées de cuir de cordoue gaufré à l'or. Un cabinet d'art. Dans ses tableaux, le peintre se fait volontiers le chantre des richesses matérielles et des beaux objets qu'il accumule avec une imposante boulimie. Les merveilles édifiées chez lui par Rubens attiraient de nombreux visiteurs. C'était, à Anvers, un exemple spectaculaire du nouveau style qui se répandait en Europe. Et le peintre s'est servi plusieurs fois de ses propres décors pour ses tableaux. Mais d'autres tableaux font illusion. La maison, telle que nous la connaissons par une gravure, ouvrait de plein pied sur la rue et ne possédait pas ce porche à pilastres et colonnes peint derrière Hélène. Rubens n'aurait-il pas emprunté son décor au palais Spinola? Il le copie dans un album sur les palais génois qu'il fait graver pour montrer la diversité de ses talents. De même, Rubens peint à 3 reprises Hélène assise dans une loggia. Décor très improbable à l'époque dans une ville du Nord. La gravure ancienne montre bien une loggia donnant sur la cour, mais selon les témoignages, Rubens avait peint toute cette façade en trompe-l'œil. Le décor pourrait provenir du palais Doria Tursi, aujourd'hui l'hôtel de ville de Gênes. Enfin, dans la maison de Rubens, un atelier immense permettait l'activité d'une équipe importante. Le peintre avait rassemblé autour de lui des artistes de premier ordre, comme Jean Brueghel, Jacques Jordaens ou Antoine Van Dyck. Hélène Fourment au carrosse est peint sur un assemblage de planches de chêne collées et chevillées. Attaqué par les vers, le support a dû être aminci, collé sur un autre panneau et maintenu par un parquetage. La photographie en lumière ultraviolette fait apparaître le masticage entre les planches, plus nombreuses que nécessaire. Rubens a peut-être d'abord peint un buste, puis il a agrandi son tableau sur les côtés et vers le bas. Certaines des planches horizontales semblent des ajouts plus tardifs. Elles portent des préparations différentes. Le peintre enduit son panneau d'un mélange de chaux, de colle animale et d'huile. Il adopte un ton neutre pour l'imprimature, un gris, souvent disposé de façon irrégulière et en diagonale. Pour Hélène au carrosse, 2 dessins reprennent le projet du costume et de la coiffe. Thank you.
Pour la robe, autre dessin encore, Rubens met en place plis et ombre. L'ensemble est peint très vite. Le peintre ne craint pas de mélanger les pigments sur la palette ou sur la toile. Il utilise comme médium l'essence de térébenthine qui permet une grande fluidité de la touche et sèche vite. Les tons sombres sont posés en premier, les parties claires ne sont peintes qu'à la fin, en demi-pâte, et sont toujours plus épaisses. Les rayons X montrent que le visage de l'enfant a été précédé par un autre, un page plus âgé regardant vers le haut, portant une sorte de toque et une fraise. Rubens l'a remplacé par le minois de Franz, tête nue, col plat et les yeux baissés. De même, avant celui d'Hélène, Rubens a peint un visage au front haut et large, plus proche de celui de Suzanne Fourmand. L'oreille était grande, dégagée, et portait un pendant de perles. Rubens a réduit la surface du front, fait disparaître l'oreille derrière les cheveux crêpés. Effet formel évident, le portrait est désormais centré sur les yeux et la bouche. Mais en peignant trop vite sur un fond encore frais, le peintre a déclenché des craquelures prématurées dans la masse des cheveux. Rubens place à la fin les petits détails, façonnés en pleine pâte, comme le montrent les clichés en éclairage rasant. Ces reliefs accrochent plus de lumière encore et renforcent les effets illusionnistes de la peinture. Et les détails minuscules achèvent de modeler le visage. Une note de rose sur la joue, petite pointe de rouge vif au coin de l'œil, enfin, reflet blanc brillant et liquide qui donne tout leur éclat aux yeux et son ultime vitalité au portrait. Les parties claires s'équilibrent de part et d'autre du personnage principal. Le visage d'Hélène est la partie la plus lumineuse du tableau, comme si le peintre voulait montrer que le teint de sa femme surpasse l'éclat du jour. Le noir de la robe d'Hélène domine le tableau. Malgré la grande surface occupée par les tons sombres, le tableau offre une gamme de couleurs très riche. Dans Hélène aux gants, les deux nœuds rouges sont comme l'écho de la bouche. La fourrure fauve des gants dialogue avec les boucles de cheveux blonds roux. Les touches ponctuelles claires des yeux d'Hélène riment avec l'éclat de ses bijoux, comme les ferait rimer un poète baroque de l'époque. Et la perle n'est pas une simple petite boule de nacre. Elle est un menu dispositif optique, captant la lumière et la projetant sur une peau elle-même nacrée. Hélène et ses enfants est en partie inachevée. Le tableau permet donc d'observer à la fois comment Rubens utilise son fond gris et avec quelle virtuosité il manie un pinceau à peine chargé de matière pour monter peu à peu les différentes couleurs de sa composition. Les lignes de fuite d'Hélène au carrosse convergent vers la limite du cadre, au tiers inférieur du tableau. L'œil du peintre est donc situé bas, un peu au-dessous des genoux d'Hélène. Cette position permet de dresser le portrait d'un personnage dominant, altier. La percée latérale et sa perspective très puissante projettent avec plus de force encore Hélène au premier plan. Hélène au carrosse s'inscrit dans la lignée des portraits aristocratiques de Titien ou de Véronèse et rivalise avec les meilleurs Van Dyck ou Velasquez. Rubens peint sa femme comme une reine en habit d'apparat et dans des décors orgueilleux, mais le tableau rompt avec le portrait immobile. Tandis que ses chevaux arrivent à toute vitesse, Hélène s'avance d'un pas décidé. Son voile flotte derrière elle. Le peintre reprend un repentir. Ne pouvant éliminer une bosse de la robe noire, il la noie sous les contours répétés du voile, ligne serpentine qui vient faire écho aux autres mouvements du tableau. La ressemblance avec le modèle est le premier critère du portrait. La remarquable constance dans le rendu des traits d'Hélène à travers les tableaux de son mari nous permet de retenir la ligne de son visage, de la reconnaître aussitôt.
En peignant ses premiers enfants, le peintre retrouve les traits d'Isabelle Brandt. Clara Serena est une Isabelle miniature. Les deux garçons sont tout le portrait de leur mère. De même pour Hélène. Ses enfants reprennent comme en reflet son nez, ou ses yeux, ou sa bouche charnue, ou ses boucles blondes. Comme ses prédécesseurs, Rubens s'est souvent livré à l'exercice de l'autoportrait. Il connaît bien son visage. Et il se reconnaît aussi dans ses enfants. Concentré, sérieux, lèvres inférieures un peu proéminentes, le second fils d'Isabelle, Nicolas, reprend les traits et les expressions de son père. Claire Jeanne, fille d'Hélène, avec ses grands yeux interrogatifs, marqués d'un soupçon d'anxiété, sa petite narine ronde, sa bouche ourlée haut, rappelle beaucoup l'autoportrait du peintre dans Les Quatre philosophes, où il se représente à côté de son frère Philippe. Les philosophes, depuis l'Antiquité, s'interrogent sur le sens de la ressemblance. Les savants, dès la fin du XVIe siècle, cherchent à comprendre l'hérédité et la parenté. Rubens tisse par l'image les liens de parenté complexes qui fondent sa dynastie. Et il peint tous ses portraits, non pour en faire un commerce, mais pour lui-même ou pour sa famille. Digne bourgeoise, mère de famille, Isabelle était le modèle des Vierges Marie produites par l'atelier. Cantonnée au rôle féminin le plus sacré, Isabelle ne se dénude donc jamais, sauf dans l'étroite limite admise par la scène de l'allaitement de Jésus. Avec Hélène, la démarche de Rubens est plus complexe. Certes, il la peint elle aussi dans des attitudes qui évoquent plusieurs vierges à l'enfant de Raphaël, rappel encore renforcé par la nudité du petit Franz. De même, Hélène Fourment et ses enfants apparaît dans sa composition comme inspirée de l'allégorie du marquis del Vasto de Titien. Certains ont souligné les thèmes de l'oiseau qui évoquerait l'amour divin et du masque détaché, allusion à l'âme pure de l'enfant qui n'a pas à se cacher derrière les fausses apparences. Dans Hélène Fourment au carrosse, les deux chevaux pourraient évoquer l'harmonie matrimoniale, souvent comparée à un double attelage dans les proverbes populaires flamands. Dans un portrait longtemps dit de mariage, il y a un bouquet de fleurs d'oranger qui, d'ordinaire, indique la pureté virginale. Mais une petite orange verte nous apprend peut-être que la jeune femme est enceinte de son premier enfant. La pomme de pin du brocart pourrait être aussi symbole de fécondité. Le peintre ne se contente pas de faire des portraits d'Hélène. Il la met en scène dans un grand nombre d'autres tableaux. Conversation à la mode ou Le jardin d'amour. Une allégorie amoureuse dans la tradition de la Renaissance. Hélène multipliée dans un décor de jardin, portique et fontaine baroque. Le peintre n'est pas dupe. Plusieurs fois, il se montre tel qu'il se voit dans le miroir. Malade, fané, mélancolique à l'approche de la mort. Mais dans ses tableaux avec la trop jeune Hélène, le fier Pierre-Paul Rubens, subitement rajeuni, nous raconte tout un roman, le roman de son bonheur familial. Agar au désert, la servante d'Abraham, mère d'Ismaël, a été exilée par Sarah. C'est Hélène, cheveux crêpés avec élégance, dans un désert plutôt charmant. Bethsabée est à sa toilette lorsqu'elle reçoit le message de David, une Bethsabée curieuse, coquette, d'une délicieuse impudeur. Encore Hélène. Grâce à Hélène, Rubens prolonge aussi sa passion d'antiquité. Et pendant les 10 dernières années de sa vie, il met en scène celle que ses admirateurs avaient comparée à l'Hélène homérique. Et puis, la mythologie permet de faire évoluer les personnages dans une nudité arcadienne. Ainsi, la petite pelisse est inspirée par la femme à la fourrure de Titien. Elle pourrait donc avoir été conçue comme un portrait de genre, une variation sur le thème classique de la Vénus pudique. Dans Diane et Callisto,
La déesse cruelle et vengeresse, c'est Hélène. Dans Le bain de Diane, fragment subsistant d'une grande composition connue par une copie, Hélène est encore Diane. Atalante, autre vierge chasseresse. Hélène à nouveau. Ou une nymphe enlevée par un satyre dans la fête de Vénus. Autre groupe mythologique classique, les Trois Grâces, les divinités de la beauté. Dans ce tableau aussi, les traits d'Hélène se répètent. Paris doit désigner la plus belle des trois déesses. Elle se dénude et s'expose. Le berger choisit Aphrodite Vénus, encore Hélène. Andromède, offerte au dragon, est liée à un rocher. Le sujet reprend une pose académique classique, fort appréciée des peintres. Les bras du modèle sont attachés en l'air, faisant saillir l'anatomie du buste et empêchant tout geste de pudeur. Et lorsque Persée vient enfin la délivrer, dans un autre tableau, la belle captive baisse son visage. C'est celui d'Hélène, dans un de ses portraits où elle figure en mère de famille, très habillée. Dans son Adam et Ève, le jeune peintre avait montré une femme nue, raide, lisse et rose, sans muscles, sans creux, sans plis. De la figure d'Ève aux naïades serpentines du palais du Luxembourg, 25 ans plus tard, toute une métamorphose. Il ne s'agit plus de rendre compte d'une vérité anatomique, mais de transcrire sous forme allégorique la fécondité, la douceur, la paix qui sont pour le peintre liées à l'univers féminin. Ainsi, le visage d'Hélène apparaît-il sur des corps qui semblent différents et qui sont comme autant de métaphores de la beauté. Courbes, plis, crevés, fourrures, dentelles, boutons, bijoux, tout le costume d'apparat de l'âge baroque est comme un prélude à une future parade nuptiale. Dénudé, le corps ne perd pas ses mystères. Avec ses fossettes et ses velours, ses modelés et ses mollesses, ses plis et ses ombres, ses voiles qui ne cachent rien, ses cheveux qui rendent la nudité plus crue encore, le corps d'Hélène, dans ses multiples réincarnations, participe à la gloire de la chair. Ce triomphe éclatant du corps n'est nulle part plus évident que dans la représentation de cet objet vénéré, omniprésent, le saint. Tantôt léger et aérien, tantôt lourd et terrestre, souvent compressé et bousculé, mais toujours rejaillissant et triomphant, il est comme une argile douce et ductile, la matière féminine par excellence. Objet de plaisir dans des joutes d'une lourdeur toute paysanne, source nourricière pour les dieux grecs ou chrétiens, fontaine des eaux exubérantes, joyau de la femme aimée, forme proche de la sphère idéale, piège magique de l'égarement fatal, le saint est ce qui inscrit la flamande Hélène dans la lignée des Dianes, des Junon, des Vénus. Des déesses qui envoient rêves et désirs aux hommes, parfois pour mieux les perdre.